Monsieur Fletcher, j'ai le plaisir au nom de l'État français de vous remettre donc cette carte de séjour permanente. Instant plus décontracté que solennel. Simon Fletcher, tout sourire, est donc le 5000e ressortissant britannique du département à posséder un titre de séjour à corps de retrait. En Dordogne, où ils sont très nombreux, les citoyens exilés du Royaume-Uni doivent faire comme Simon, se presser afin d'obtenir le précieux sésame pour vivre en France. On estime à environ 8000 ressortissants britanniques. À ce stade, nous avons eu donc environ 7000 demandes de titres, mais cela continuera jusqu'à fin juin. Et nous sommes donc le premier département de France en termes de demandes de titres par des ressortissants britanniques. Installé en Périgord vert avec son épouse, cet avenant francophile, originaire du sud de Londres, travaille pour une association internationale qui gère les transports ferroviaires. Passé par le nord de la France, puis Paris, il a craqué pour la Dordogne. Il y a 30 ans, mon épouse et moi, nous sommes tombés en amour avec Brantôme. Mais ici, à Champagnac, c'est calme. Et donc, c'est ça qu'on cherche. On aime beaucoup le fait que c'est vert. Et c'est pas mal pour la nourriture non plus. Pour mémoire, les Britanniques du Périgord et d'ailleurs doivent se dépêcher pour obtenir le titre de séjour français. Deux dates à retenir. 30 juin 2021, c'est la limite pour faire sa demande en ligne à cette adresse internet. Et à partir du 1er octobre prochain, sans titre de séjour, tout Britannique voulant entrer en France devra demander un visa.